plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Julie Radiccioni, qui est maître praticienne PNL et certifiée en apprentissage accompagné par le cheval. Bienvenue, Julie. Bienvenue chez nous, Geneviève. Merci. On est chez Equisource aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Equisource? Ah, Equisource, c'est vraiment une longue histoire d'amour entre mes passions, la croissance personnelle et les chevaux. Donc, de là, Equisource. Et puis, il y a l'approche que j'utilise vient de différentes méthodologies à travers différentes pensées de personnes qui travaillent avec les chevaux dans le mieux-être ou comment aussi travailler avec les chevaux au sol. Mais ce que je trouvais comme vraiment intéressant, c'est avec mon histoire personnelle avec mon cheval qui s'appelle Diva, qui est juste en arrière de nous. Oui. Elle, je l'ai eue il y a à peu près 8 ans. Et puis, j'étais en croissance personnelle parce que ça fait tellement longtemps que je suis en cheminement. Mais je te dirais qu'avec Diva, ça a été comme le point qui a bouclé la boucle. Parce que le cheval perçoit tellement qui on est à l'intérieur, parce que les chevaux, c'est des proies. Ils sont dans l'énergie, ils sont dans le langage corporel. Et puis, dans le troupeau, bon, il y a un leader, puis après ça, il y a toutes les autres qui suivent après. Donc, les consignes, c'est très comme clair. Les consignes, c'est comme... Il y a beaucoup de respect. Il n'y a personne qui va aller chercher le rang d'un de l'autre. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comment ils fonctionnent en troupeau. Et puis, tout ce que j'ai appris, tous les ateliers, les formations que j'ai pris, surtout, j'ai approfondi mes connaissances au niveau de comment le comportement du cheval, ouais, quand j'ai étudié à l'Université de Guelph. J'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai commencé à travailler sur moi, premièrement avec le cheval. Puis je vais donner un exemple par rapport à ma jument, c'est que quand je l'ai eue il y a 8 ans, elle vient d'un refuge. Puis je te dirais que c'est plutôt elle qui m'a choisie au lieu que moi je l'ai choisie, parce que il y a 8 ans, on s'en allait dans un refuge chercher un autre cheval. Parce qu'une des choses qu'on fait ici aussi, c'est qu'on sauve des chevaux de l'abattoir. On fait de la réhabilitation, puis après ça, on trouve des familles. Fait qu'on s'en allait chercher un cheval à Québec. Puis, on m'a présenté le cheval qu'on était pour adopter, mais à un moment donné, il y a cette belle grande jument qui s'en vient me retrouver sur le banc de la clôture, mais d'un pas tellement sûr d'elle, puis un regard absolument intense. Puis ce que j'ai ressenti, c'est « Oh wow, on a des choses à faire ensemble. » Donc, j'ai fait... J'étais avec mon mari, puis j'ai dit à mon mari, bien, il faut la ramener, elle aussi. Donc, après ça, quand il est revenu ici, moi, j'avais des plans. Parce que les êtres humains, on est très orientés, but, résultat, puis il faut faire ça en temps de temps. Mais elle n'avait pas tout à fait la même agenda que moi. Tu sais, je voulais faire du dressage, je voulais faire comme la compétition, je voulais faire plein de choses avec elle, mais elle, c'était pas ça du tout. C'était une jument qui était très nerveuse, méfiante, elle n'avait pas confiance en moi. Puis là, quand j'ai commencé, j'ai dit à faire mon approche, les approches que j'ai apprises à travers le temps de différentes personnes, que ce soit Buck Brenneman, après ça, bon, il y a le T-Touch de Linda Tellington, il y en a plusieurs là, que j'ai regardées. Écoute, moi, j'étais vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment dans les objectifs. Donc, j'arrivais pour travailler avec Diva, puis c'était comme, OK, aujourd'hui, on fait ça, 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 ça. Mais là, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas parce que rien ne fonctionnait, finalement. Donc, pour faire une histoire très longue, courte, c'est qu'elle m'a apprise à vraiment venir me centrer, de rester beaucoup plus dans le moment présent, de me déposer. Et quand j'étais avec elle, je prenais le temps d'être avec elle. Et ça, ça m'a tellement pris une grande leçon, mais ça m'a pris du temps à le comprendre. Mais quand j'ai touché à ça, je me suis dit, wow, il y a quelque chose là, là. Faut que je partage ça avec les gens, là, c'est trop magique. Donc, suite à ça, bien, c'est là que j'ai commencé le projet, vraiment dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir devenir certifié de quelque chose qui existe et tout ça. Fait que j'ai fait le tour, j'allais faire la certification en anglais, c'est Equine Assisted Learning. Et puis, je suis revenue avec ça.
Puis avec ma formation en PNL, avec mes cours à l'université, plus tous les ateliers que j'ai faits, j'ai tout mis ça ensemble. Puis là, j'ai développé une approche pour pouvoir aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Parce que moi, je veux dire, personnellement, dans mon histoire, c'est une quête pour moi depuis, oh mon Dieu, 25 ans, d'atteindre cette place-là en dedans qui est comme, ah, oh, c'est tellement bon. Puis, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de réflexion et tout ça. Je fais beaucoup d'écriture aussi, tu sais, l'écriture rapide. Mais ça a été vraiment travailler avec les chevaux qui ont fait la boucle parce que les chevaux ont ce pouvoir d'aller dans l'authenticité de qui on est. Tu peux pas leur mentir. Eux, quand tu arrives, puis tu es dans ta tête, ils sont pas capables de tolérer ça parce que tout ce qu'ils voient dans nous, c'est le langage corporel, l'énergie, puis les émotions. Eux autres, c'est ça qu'ils voient. Fait que si tu arrives en avant d'un cheval, puis tu es toute brave, puis tu dis « Moi, je vais pouvoir, il n'y a pas de problème, j'ai pas peur », bien le cheval, il va le savoir que dans de toi, c'est pas ça du tout. Fait que c'est ça qu'il va venir travailler. Fait que lui, il va venir chercher ça, puis il va le mettre à la lumière. Puis c'est aux gens de choisir « Est-ce que je veux faire quelque chose avec cette lumière-là pour aller toucher à qui je suis ou pas? » Parce que quand on travaille avec les émotions, ou on faut aller voir dans les émotions, on ne veut pas toujours aller là. On veut plutôt les cacher. Donc, c'est ça la magie avec le cheval qui est capable d'aller chercher ça, mais à nous de choisir si on veut mettre à la lumière ça puis travailler avec ça pour développer notre plein potentiel. Donc, la façon qu'on fait ça ici, c'est que ça peut être sous forme de sessions en groupe ou individuelles. Ça peut aller à quelques heures, à plusieurs semaines. Il y a des programmes de 6, 8 et 12 semaines. C'est à travers des exercices qu'on fait. Il n'y a pas de monte. C'est vraiment tout au sol. On n'a pas besoin d'avoir d'expérience avec le cheval. Et puis, c'est des exercices qu'on va faire très précis. Puis, on travaille avec le cheval pour faire des parcours. Donc, exemple, quelque chose de bien facile. Si j'ai un parcours, de passer par-dessus une pôle, puis après ça, d'aller toucher à un objet, je ne peux pas utiliser le langage. Tout ce que j'ai, c'est le corporel. Puis je dois mener le cheval pour aller faire ce parcours-là. Donc, en tant que leader, parce que les chevaux vont faire aussi sortir le leader en nous. Si on n'est pas un bon leader, le cheval ne va pas répondre. Parce que lui, sa première chose, avant même de manger, c'est la sécurité. Donc, la première chose, c'est la sécurité, son besoin. Après ça, c'est le confort. Après ça, la nourriture. Puis après ça, jouer. Donc, si le leader est insécure, si le leader, les consignes ne sont pas claires, le cheval va faire comme « moi, je te suis pas ». Parce qu'encore une fois, dans le troupeau, c'est super important. Le leader, il sait où il s'en va. Il s'en va vers l'eau. Il s'en va vers la nourriture. Il s'en va dormir pour la nuit. Et les consignes sont claires. Puis c'est très cohérent. Puis, une autre chose aussi que j'ai remarqué, même chez moi, puis j'y travaille encore aujourd'hui, c'est être cohérent. Des fois, on pense quelque chose, puis on agit d'une autre façon. Mais ça ne marche pas avec les chevaux. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est comme, tu ne peux pas être un personnage. Tu peux juste être toi-même avec les chevaux. C'est ça qui ressort. Puis, le processus se fait comme dans le conscient, dans l'inconscient, mais il se fait aussi sans jugement. Puis il se fait aussi dans le plaisir, dans l'amour, parce que les chevaux, l'énergie qu'ils dégagent, c'est vraiment comme... ça élève notre taux vibratoire. Après une session avec un cheval, on ne peut pas se sentir bien. Mm-hmm. Puis ils sont surtout dans le moment présent. Ouais. Tu as parlé de leadership pour atteindre notre plein potentiel. Quels seraient les autres thèmes qu'on peut développer en faisant ces ateliers-là? La confiance en soi, l'estime de soi, le focus, le pouvoir de l'intention. Comme je parlais tout à l'heure, c'est important quand on a une intention d'avoir le focus. Prendre son espace. Ça, c'est prendre sa place. Super important. Parce que
je te dirais aussi que dans les chevaux, bon, tout est énergie, hein, on le sait. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est comme quelque chose d'éphémère. Oui, c'est ça. Je veux dire, Einstein le dit, c'est tout, concret, c'est, concret oui. C'est de la science. Puis on occupe tout, en tant qu'être humain, mais chaque être vivant, on occupe un espace où est-ce qu'on a un taux vibratoire. Donc, les chevaux, eux autres, ils vont se connecter à ça. Ils vont venir se connecter à ce taux-là. Puis c'est ça qu'ils vont faire en sorte, qu'ils vont tout analyser ça. Puis après ça, là, ils vont commencer à nous donner du feedback. Puis comme les chevaux, c'est comme les enfants. Ils n'ont pas de filtre. C'est comme, ils nous donnent, puis that's it. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de douceur. Ça peut être comme raide des fois. Mais quand on veut, quand on a vraiment un désir de vouloir dépasser nos limites, OK, atteindre le bien-être. Le bien-être, pour moi, c'est pas qu'on est dedans comme à chaque minute de la journée. Je pense que c'est quelque chose qu'on on peut vivre. Un cheminement, ça dure toute une vie. Mais écoute, quand tu touches à ce bien-être-là, que ça soit 2 minutes, 5 minutes, une journée, tu veux retourner tout le temps là. Tu veux toujours retourner là. Tout à fait. Hein? Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui se disent, moi, j'ai envie de goûter à ça, j'ai envie d'essayer ça. Comment ça marche? Bien, on peut aller sur le site Internet qui est equisource.ca pour avoir des informations un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est exactement. Il y a notre page Facebook. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est soit des ateliers, des sessions personnelles comme 1 à 1, ou on fait du corporatif aussi pour le team building, qui est super intéressant. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'ils peuvent nous rejoindre pour avoir plus d'informations. Puis cet été aussi, ce qui est super le fun, c'est que j'ai commencé à faire, comme je disais tout à l'heure, Equisource, c'est comme croissance personnelle, développement personnel, puis les chevaux. C'est que j'ai commencé des sessions à méditer avec les chevaux. Et ça, c'est absolument génial. Magnifique, Julie Radiccioni. Alors, on vous invite à vous diriger au site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Merci pour l'entrevue et bonne et longue vie à Equisource. Merci, Julie. Merci, Geneviève.